Catalan, tu vas pas recommencer avec ton Jura d'Aulois. Le Jura, ça commence dans le Haut-Jura, là où il y a des sapins de plus de 30 mètres, avec les chiens de traîneau, 2 mètres de neige, petite Sibérie, moins 35. Adol, qu'est-ce qu'il y a par le TGV ? Mais ça, c'est ta vision classique du Jura. Nous, on a quand même aussi quelque chose à montrer dans ce Jura de plaine. Attends, je te coupe parce qu'il faut que je vous présente. Ça, c'est Alain, garde forestier de choc et fanatique des villages, forêts de chaux et pays d'Aulois. Voilà, enfin, tout Gaulois, à fait. D'Aulois, mais enfin. D'Aulois. Mais c'est vrai que Dole, avec son architecture... On est très copains, mais il m'énerve sans arrêt avec son architecture et ses chaînes. Alors que, bon, oui, mais quand même, une forêt qui fait 30 km de long avec des chênes, c'est quand même merveilleux. Le pays des étangs, t'avoueras quand même que ça a quand même une valeur extraordinaire. Et il faut visiter ces choses-là. Il n'y a pas que le haut avec, sa neige, avec la neige, avec les sapins. C'est parce que Dole est placé au carrefour des grands axes qu'elle a longtemps été la capitale historique de la Franche-Comté. Elle se situe dans le Jura, à mi-chemin entre la Bourgogne et l'Alsace, entre Dijon et la Suisse. C'est une ville environnée de nature, à deux pas des grands massifs forestiers et de la Bresse, au confluent du Doubs et de la Loue. De sa période faste, Dole a gardé un magnifique patrimoine architectural, en grande partie classé, et des vieux quartiers sauvegardés. Dole porte le label Ville d'art et d'histoire et propose de nombreuses visites guidées. Et bien sûr, le monument incontournable, c'est la collégiale. Louis Pasteur est né à Dole. Un musée consacré à sa vie et à son œuvre est aménagé dans sa maison natale. Les Dolois aiment faire vivre leur patrimoine au travers de fêtes et de concerts. Collégiale, partout où porte le regard, c'est la forêt qui n'en finit pas. Elle raconte une histoire, celle des hommes et des arbres. Croix de pierre en forêt de serre, chêne à vierge en forêt de chaux, l'homme, partout, a laissé sa trace. La saline royale d'Arc et Senans, patrimoine mondial de l'UNESCO, est le symbole visionnaire d'une vocation industrielle.
Val d'Amour, aussi joli nom, nous conduit jusqu'à la vigne et les premiers contreforts du Jura. Dole est une halte fluviale très prisée sur le canal du Rhône-au-Rhin. On peut y louer des bateaux à la journée ou à la semaine. Une autre façon originale de découvrir notre pays de Loire. Le rythme lent d'un attelage comtois vous conduira dans une région secrète et attachante, la Bresse du Jura. Ces nombreux étangs sont le refuge d'une grande diversité d'oiseaux migrateurs. Les producteurs locaux vous accueillent au cœur de leur village, sur le lieu même de leur activité. Pays de tradition, la Bresse a conservé son savoir-faire gastronomique. Est-ce que tu as goûté ce vin extraordinaire, unique, hein, avec un goût là, de terroir fabuleux? Est-ce que tu as déjà mangé une poularde aux morilles? Quand même, toi, un homme du pays.